2024, Bokamati Libra Kolanabiso partout à travers le monde, Bana Congo Mbote. Ici, quand on a besoin, Mina Mabota Nabino, Kimia et Ingele, Bisika, Bozoami, Nalibanda Tonakati, Mboka Mbote, Nabino, Banso, Congo Manioso, Ozul Libra Kolanda Pona Congo, Moko Nalilo, Nanzela Bantene, à Congo Bos Télévision, To Fongola, Manaka Yalelo, Na élection et bureau définitif, ya Sénat, Wap Bisika, dépôt, ya candidature et banda kibongo mokolo ya lobi moleki. Il faut dire que jusque là 14 candidatures autour il y a 7 postes oyo ezali bongo na chambre haute ya parlement. To noter que utamela réunion moko spéciale et salemaki lobi na direction ya secrétaire général, il y a eu de PES ba sénateur, il y a eu de PES pe mosaïque ba ibi bongo kopona ndeko Afani Idrissa Mangala lokola candidat na bango oyo bango ba komema bobo sani que UDPS à l'obaki que yé sengeli azwa bongo motu ya Sénat parce que yende azali na majorité kuna na chambre haute topé chambre ya basage et sengeli koyeba que au-delà de ça bande komonsu soupe ba eba ki bongo pesa ba candidature na bango entre autres ndeko Sama Lukonde oyo ye azali soutenu topé ba memi candidature na ye na bande ko mon sousou au basali bloc soit il font et autour de bandeko bazana ngambo ya katanga basali ko senga bongo poste wana ezongi la bango entre poids politique pe expérience pe ba kombo ya bato nini nani penza a senge li ko jwe sika yango to romeka obeta li solo au cours de cette émission mena mataye mai matali sembo ya mboka na biso ministre ya justice aeba ki ko mettre en place bongo commission nationale mixte chargée d'enquête sur la mafia et les mauvaises pratiques judiciaires de ko constat mutamba besu le boko na misa azo kende en guerre contre bayo basalaka mafia bayo basalaka trafic d'influence bayo bayibaka et puis numéro moko ezwami bongo pona kosala ko dénoncer motonyo so azali kosala ba pratique ya mabe ye alobi akeyi en guerre contre ba antivaleur nyonso et na o etali sembo tope justice ya mboka na biso procès à force du progrès et salema ki lobi moleki bisika wapi ndeko wana baeba kibongo kopesa ba information na mae salema ki récemment na na résidence ya ancien président de la République. Nous allons en parler au cours de cette émission et na mae matali ba propos ndeko Joel Kitenge abimisa ki récemment contre ndeko nabiso tope commissaire du visionnaire ya ville province à Kinshasa mwana mboka Joel Kitenge azonga ki na ba propos na epo na singa bolimbi si parce que azwa ki ba information yon sote et aeba ki bongo ko singa bolimbi si na motema mobimba na mae l'obama ki na commissaire topé général Blaise Kilimba limba mais aussi na la police nationale congolaise yon so malgré cela plainte moko zali déposé autour ya situation yango bazali ko accusé na outrage na police nationale, intimidation, imputation dommageable, chantage pe trafic d'influence. Nous en parlons nandeko moko ya de paix ça n'a sur ces plateaux mon amboka Joseph Mbenza, bonjour et bienvenue. Bonjour madame Naomi, merci pour l'invitation na sepeli ko partager plateau surtout ma thématique. Ils ont préoccupé Ngaï Makasi au plus haut point. Na pesi ya yambo ya mboka, mokonzi Félix Tshisekedi Mbote. Et lui, je suis étant tout bon, rapidement bon rétablissement. Il va bien, il est où? Il va bien. Il y a Babando qui a créé un régime. Balinga qui a couffé la biseau. Donc,
C'est malsain, hein, surtout votre camarade, c'est monsieur le gars, je ne vais même pas nommer Oazana Belgique, Oana. Moutounou, ça tombe malade, t'es maman. Alors, maladie à Moutou, il faut en faire un problème. Félix, c'est aussi un être humain, mais il n'y a rien de grave. Ce n'est qu'une visite de routine, et puis ils ont besoin à Ozonganae. Toujours à l'hôpital? Non, non, moi, je suis à l'hôpital, toi, média. Mais bien, on est au Bandaki, on a un service de communication, puisque les gens se disent, bon, sous Kabila, pendant 18 ans, on se pose la question, ce qui a quoi, bon, comme malade, tout est. Ce que M. Rick Nyundo a écrit, c'est discutable, les avis sont partagés, mais nommé la nature de la maladie, c'est là où j'étais un peu lésé, mais du moins. Moutounio Swabelaka, donc il a aussi voulu stopper un peu l'hémorragie à basse spéculation. Donc bravo à lui. Et puis il n'a pas si banagno soit IDPS Mbote, de partout ils sont. Et puis voilà, donc joyeux anniversaire à mon grand frère personnel, vous permettez, Alain Dapé Missiono Mingi, le vieux Chiquito Mouchachino, connu comme Azan Mécène, Azan Amiki la Belgique, Alain Dapé Missiono Makasi, okay. Joyeux anniversaire à vos grands frères. Donc voilà. Il y a encore des questions autour de ça. Tout le monde tombe malade. Mais il ne faut pas oublier, il faut pas oublier que le président de la République, en dehors de travailler à Kinshasa, il peut travailler dans n'importe quel pays, au ambassade, M. Zali. Je crois que dans les heures qui viennent, dans le jour qui vient, bon, il va recevoir l'ambassade de la Belgique, soit à France, à co-signer une ordonnance. Donc voilà, il travaille malgré là où il est. Donc voilà, il se porte bien. Bah, Congolais va la rassurer. Ça, c'est un cadre de l'UDPS qui parle. Merci beaucoup. Ndeko Joël Ngindou, et ça, pour la première fois, toi, Mbayo, pour la partie écolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, maman Naomi. Merci beaucoup pour l'invitation. Ndeko Joseph Mbengambote. Et Bao Bakulandabiso de partout dans le monde parce que l'émission est là partout. Et Théo Karabé Basson n'a pas retombé à l'émission. Je suis en beauté. Et Nakobo Sanate, président Chris Mukendi Kabimba, qui est le président de mon parti politique, avec le secrétaire général Jacob Mbangi, je les salue, sans oublier les militants de mon parti politique. Très bien, Matondo Mingi Mwanamboka, Tolo Bilabongo. Avant même d'aller plus loin, Potoko Tanabasije Nabiso, procès Force du Progrès, est-ce que l'IDPS finalement, à entretenir milice, puisque tu l'as dit, ma déclaration, ma déclaration, rôle de la banque, c'est un temps que l'on que l'État, topé, ba parquet, il y a repé sa banque, marché, pour que Basunga, on n'a pas bien compris, qu'est-ce qui se passe? Rôle de la banque, est-ce que l'IDPS, finalement, a entretenir une milice contre la population? Le lot, on a levé équivoque, Moko Yamakasi. On a un régime national IDPS entretenu pendant longtemps dans les médias. La plupart d'entre vous, politiques, et autres, si vous avez marché, si vous êtes aujourd'hui politique, vous vous exprimez librement dans les médias télévision, mais il y a eu cette force du progrès pendant tout le régime dictatorial, et ça qui amène dans toutes les rues de Kinshasa pour combattre le régime à Mobutu, pour combattre le régime à Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. En quoi fait ça? Non, dans des marches. Dans des marches, nous étions là. Moi-même, j'en faisais partie à un moment. Nous sortons quand les autres... S'il vous plaît, il peut y avoir des dérapages, mais respect dans l'IDPS. S'il vous plaît. Nous avons payé le prix lourd, le plus grand prix pour que Batebele le Loba s'exprime. Batebele va dans la liberté, on sait la politique Namboko. Et ces jeunes-là, que les gens méprisent aujourd'hui, ont été dans tout le combat. Amen. Je me souviens quand notre mentor a zongi na élection en 2011. Je crois que ça doit être le 26 décembre. Nous étions à l'aéroport international d'Njili. Ces mêmes jeunes et nous avions fait face à la garde républicaine de M. Joseph Kabila de l'époque et on nous a tirés à bout pourtant. Il y a eu des corps qu'on a amenés à la permanence. Moi, j'ai vu des corps qui ont été ravis. C'est ces jeunes-là. C'est ces jeunes-là qui ont été à Kinshasa ici le 19, le 20, le 21 septembre dans toutes les rues de Kinshasa. Ici, ce sont ces mêmes jeunes. Sur le récit à procès, vous avez vu comment ils ont expliqué ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais été dans la résidence de M. Joseph Kabila, ni de Mme Olive Lembe. Vous comprenez?
bauti makam na bango. Et puis, c'est-à-dire, il y a un na bango. Il y a un responsable, ils étaient un homme de 45. Ils ont expliqué que tu es dans cadre de la commémoration, il y a Makamba Genocoste, c'était la période. Alors, sur place, là, quelqu'un venait leur proposer 5 000 $ pendant que quelqu'un ça, la déguerpissement, c'est-à-dire, sous forme de déménagement, comme ma bloc. C'était une bonne affaire. C'était une autre réalité. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Loin de l'idée d'aller attaquer M. Mme Olive Lembe. D'ailleurs, pendant tous les règnes, il y a M. Joseph Kabila, nous étions à l'opposition. Nous n'avons jamais pris des armes. Mais pendant que tout ça n'a pouvoir, vous croyez que l'IDPS peut créer une milice en donnant des armes? Mais il y a une vidéo où le président, il y a Force Progrès, Azo Laka, Bakondiamboka, qui a ça n'a pas ça, Bongo, Joseph Kabila, la Libotanae, na Esika wana, soi-disant que opposant avant d'arriver à la ville. Ça, c'est une erreur de communication de sa part, qui n'engage pas l'IDPS. La seule personne qui engage l'IDPS, il s'appelle Augustin Kabuya. Et Ngaï, en tant que statutaire à parti, je peux porter la voix du parti et engager le parti. La Force du Progrès n'engage pas le parti. Ça, c'est une précision de taille. Alors, tout ce qui se passe là, que nullement a été l'intention de ces jeunes-là de s'apprendre à Mme Olive Lembe. Donc, Mme Olive Lembe... Ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas prémédité. Mme Olive Lembe a sali théâtre. Alors que nous connaissons tous fait au Bazali quoi acquisé depuis un moment la Force de Progrès. Il peut y avoir des rapages. Imaginez que les gens qui appartiennent à un parti au pouvoir soient jugés. Au moment d'un Namboko. Bravo à la justice, bravo à la police, parce que nous sommes républicains. Ils sont jugés en flagrance. Au moins, déjà, Namboka, on a connu des bérets rouges ici, on a connu des bêtises ici. Il y a ma chaleur, il y a ma gêne. Bon, si la machette est entrée aujourd'hui, les gens l'utilisent pour agresser, les gens se le fait perdre. Au tout cas, on a bango traduit en justice. Bravo à la police, bravo à la justice. Parce que Bissot Tozo a respecté Amibé, quand on a le secrétaire général Augustin Kabuya, il a produit un communiqué dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas soutenir la violence d'où qu'elle vient. Disons que Aïbi Bachanouanate, alors que. Parce qu'on a eu des pèses. Alors que lors, il y a procès, il faut faire la part des choses. Il y en a le biomoni, le secrétaire, moi je suis témoin qu'il est. Aïbi Bissot, que tu sois de la Force du Progrès ou bien parlementaire debout, va t'adhérer, va rester dans ta cellule. Si un problème t'arrivait là-bas, c'est là que le parti peut intervenir. Mais si vous êtes de manière disparate, le parti ne peut pas intervenir. Ce qu'on action, ça n'engageait pas le parti. Il faut comprendre le sens du communiqué. Parce que IDP, ce qui est toujours, avec un mot d'ordre bien donné. Mais Bakene Makamnabango dans un sens privé, c'est là où nous condamnons cet acte. Très bien. Donc, loin du parti présidentiel, donc nous demandons à la justice de rendre son verdict. Et puis, bon, Monique, influence moropolitique et athée, on est en train de juger ce jeune-là. Alors, tant que vous comme à Touriabat Moussous, ne venez pas nous dire ici des acharnements inutiles. Ils sont jugés en flagrance. Ils peuvent même, il est possible qu'ils soient condamnés. Tu as influencé justice. Mais tant que comme à tout rabat moussous, au bas de l'obaloba, le banaba média. Ce qui va kangio, ndima pepen. Est-ce que c'est qui s'est attendu à ce pays là encore en dérobatouni au sol à Moussala ni dans un combat de paix? C'est à Moussala, mais en fait, je viens d'apprendre. Ndeko Jean-Ping Galoula, vous êtes de Kabila Forever. Bonjour et bienvenue. Merci, maman Naomi. Tika nanga ipe bomo mesano na tombela bayimboka esikanyo soba jwami mbote makasi kosepela ete bazali kobika senangolu ya Nzambe parce que monsieur Tshisekedi a imposé à la République démocratique du Congo régime ya bisengo na bisengo moyibi likolo na moyibi libido likolo na libido détournement mode de vie na bango. Alors, confusion, l'icône en confusion, pyramide renversée, tâtonnage au sommet de l'État, incompétence à outrance, Tintin au sommet de l'État, qui ne savent pas. Non. Écoutez, madame. Tintin au sommet écoutez, de l'État, madame. Qu'est-ce que tu attends par Tintin? Tu peux encore interpréter. Les Tintins au sommet de l'État, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où amener le pays,
Le pays se trouve aujourd'hui à la rue où tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent, surtout que vous soyez seulement de la majorité présidentielle. Mais si je voulais parler au général Kilimbalimba, alors mon général, nous venons présenter les excuses au nom de notre camarade Joël Kitenge, qui a reconnu aussi à sa vidéo Moko Tindelipe, mon général Sikozali. Restez professionnel, salam moussala na yo. L'ami a reconnu que vous allez que moi dérapage y a monoko et il a rappelé Batonio soto sengelier bolimbisi limbisanier azali mona na mboka zoye lokolo zo rabale ki na mosusu to ba policier mosusu pe olimbisaka tikani ya vanda kimia a continuer mosala na ye azali elenge alobaki a reconnaître kalobi mabe si mana yango asengi bolimbisi biso pe lokola baningo ya ye ya Joël Kitenge to ya la cabinet mite mama to la rende bato to ali opposé politiquement mais to za cabinet mite ngai pe lokola na benga ki ye na telemela ki ni ye na ebisi ye mayolobi ye ya la kate moto wana ba nommé pa ya chef de l'état azali na ordonnance présidentielle yo nani yo la kaye bolongwe na mosala. Le fait que tu as dit est très grave. Je sais que azali na cavale na Brazzaville mais atsengi bolimbi sitika été Baimboka bokate sika oboyebisa mon général to sengeli ebolimbisi en tout cas limbisa biso akobandela les sociétés tout le monde. Mais nous apprenons qu'il y a une plainte en gestation déjà contre Joël Kitenge. Bon, qui a déposé, c'est le général? Non, je ne crois pas. Au nom du général. Non, mais est-ce qu'en droit pénal, on n'agit pas par procureur, madame? C'est le général qui doit se plaindre. Il y a des fous des autorités dans ces pays ici. Il y a des gens comme ça qui s'improvisent. Non! En droit pénal, c'est la victime principale qui se plaint. Si c'est le général qui a déposé la plainte, nous avons présenté nos excuses au Seigneur Volumis. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui se réveille et dit non, bah fini général, est-ce que c'est toi la victime? Donc c'est ça, donc nous voyons ça, ce sont des histoires qui ne tiennent pas debout. Vous savez, dans la politique, madame Nalobelo Gomoko, dans la politique, ngai mukolo bakonomenga mama nazo bisayo ao. Ata o fingenge loko ba kumakana miri ya mabe ya ba mamana ya ba tata ba tchaka na ba miri ya ba salite bo muna kana banzela. Je ne veux jamais réagir. Vous savez, parce que vous gérez ce qu'on appelle eloko ya batu, la res publica. Comportez-vous comme Kabila. Vous pouvez injurier, vous pouvez tout faire. Il ne va jamais réagir. C'est ça une bonne autorité. Mais ba autorité na msou baza très sensible. Mais non! D'une part, vous allez rappeler à monter ma couille parce que nous avons géré l'eau qu'il y a l'état, bako ko finga, bako ko tongangai, bako lo belangai mabe. Ce qu'il faut faire, faut avoir la carrure de surmonter, n'est-ce pas? Bilo ko ya bandenge wana. Je ne vois pas général. Bate le mana na Joël Kitenge na bar, ma banda ko samba na ye général a telemi ye a tele. Parce que c'est une affaire pénale. Bako telemi ye a telemi ye a telemi. Ça sera aussi pas totalement correct à l'égard du général et vous allez et le a commis qui dit ça donc to sengi na général Bolimbisi to bisi na moto zo kende ko déposer atika. Merci beaucoup Monamboka, mais on l'a dit quand même avant même tokota avec Amitali Sénat, on l'a dit quand même un procès contre nos amis de Force de Progrès ou Bisika bazolo bakeza montage pour récupération politique. Non bakenda atamo kolomon côté ko attaquer résidence et ancien président de la République. Mama nabenga kayo mama pona ko tombola ba mama nyoso. Na uti ko landa ndeko na ngai Joseph Mbenza. Joseph Mbenza azali moko ya ba brouette au Union Sacrée sakani na yi. Oh. Oui. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup milité pour cette république, jamais récompensé. Je peux te citer trois communicateurs qui se battent aujourd'hui pour l'IDPS. Ils sont quatre. Il y a Mouya, Papi Mouya. Il y a Winner Kankolongo et il y a lui qui sont au front. Mais attendez, quand on va composer le cabinet du chef de l'État, vous n'allez pas les retrouver, l'air, non? Mais il continue quand même dans cette exploitation. Oye bazo ko exploiter ye, o soka tchaki force na kolona ta masango, ndelo loza na basaka masango ebele, mais il continue avec ça. Non. De Kombenza, vous ne pouvez pas encourager ses enfants. De gré ou de force, vous ne pouvez pas encourager ses enfants. De quelle qualité manona bakendeki de guerpissement? De quelle qualité? Maman, on agit dans l'appareil de l'État ou on agit dans mon salaire à l'État que sous un mandat. Ils disent que même le parquet va contacter Abango. Mais si c'est le parquet va contacter Abango, va t'en parquet.
Et la justice doit interpeller ses procureurs ou à Kendakozoba, non associé, bah on a moussala à l'État. Est-ce qu'il y a encore Kendakozoba des guerpissements? Ça, c'est la première faute. Deuxième faute. Oui, mais que quand tambola en public, en masse, batebele, bozo tambola en public, vous devez avoir l'autorisation de l'autorité administrative pour encadrer l'eau qu'on a bien dans vos salons. Bana wana babandi ko tambola yoka bango ebele na nzela bazé ko tambola avec quelle autorisation qui a encadré, est-ce qu'ils avaient l'autorisation de l'hôtel de ville? Et c'est là que j'interpelle aussi Bumba mawe jawa mi balet aux une en katambuko Bumba qui ne fait rien comme travail. Si c'était l'opposition de bazako tambola wana ça quelques secondes et minutes ba ke kangaba. Mais parce que c'était bana wana batiki bango batamboli, voilà maintenant les dérapages. Comment justifier que bana wana bazali ba innocent? Moi je veux dire, laissons le travail fait, la justice et ça la moussala. Mais vous êtes d'accord que Zala qui a une intention à violer résidence et ancien président? Mais Naïbisho, maman, ce qui est plus grave, Banawana Bazala qui a une intention à violer de maman Olive Lembe. Mais il y a mon qui est l'amba, maman, t'es dingue Zala qui a une intention de Bakota, Bakende qui a violé maman. Heureusement que la maman était souple, elle s'est sauvée de ça. Maman, Batikali kokota na résidence. Mais Batikali kokota to ba kotité n'y a que la justice qui peut nous dire. Mais la victime c'est cette dame là qui a dit. Maman, est-ce que na mboka oshomona ba to bandima eloko bazalaka te? Basate. Bazo bo mboka bazolinga ko ndimate. Tala ndenge bo sambulo yo ba to ba uti ko sala na communication présidence de la République. Quoi qu'on oba chef de l'État za malade ya ko bela hernie discale tout ça. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Peut-être pour taire le rumeur. Joël, et après, avant. Donc, en conclusion, madame, Nasukisi Kolobana, Banawana, je ne suis pas pour. Bakangaba innocent, mais je suis pour que la justice, la vraie alors justice, soit faite pour que ceux qui seront reconnus coupables, qu'ils répondent de leurs actes devant la loi. Mais une benzatique intimidation à Koloba, Mokoloba Kokangaba Tomosus, Yozo Kanaba Kangaba Nani. Bami yibi nyo so botiki li banda bazo tambola, bami yibi, batu bazo détruire mboka o botiki bango na désordre, bazo so ba posta minene na l'état, mboka koufie poli nyo so, boko kanga motote, bino boko lakabe biso ke boko kanga biso, boko sala na biso nini, nga so boko kanginga boko sala na ngay nini, ata na koufie boko sala ngay nini, me moto yibi bami yon l'état botiki azo tambola, mbenza ko lakabiso a kanga biso, me mbenza commencer par vos gens de l'IDPS qui ont volé beaucoup d'argent, qui ont détruit la République démocratique du Congo, l'insécurité totale, vol partout, dollar, réseau, mataloko la molinga, bozo tala na misu, yomoko ba néglige, ba détruire bomo inayo, famille ne fait que ne gofunda kabouya. Ça, je te dis vrai, parce que à ce jour, vous ne pouvez pas parler encore. Vous vous appartenez au passé. De la même manière, vous voulez faire partir Kabouya parce qu'il a mal géré le parti. De la même manière que la population se batte pour mettre hors état de nuire M. Félix Tshisekedi avec son régime. Je vais rester radical en vous jusqu'à ce que... Famille est Founda Kabouya. Et Founda Kabouya parce qu'il y a exploitation inhumaine. Bah, signer un contrat. Mais écoutez, Bazoua qui est dans mon salon. Si vous avez joué dans mon salon, vous avez joué dans mon salon. Alors qu'il y a au salon, mon salon, qui parle de Kabouya à la télévision à part lui? Qui? Ou bien qui se bat au bon nia, tocha kaye, tocha dans le côté. Qui parle à part lui? Qui encore? Mais quand Kabouya va nommer, est-ce que vous reconnaîtrez? Non! Écoutez, même, tu sais que Ngaï n'a 100 000 dossiers à Kobimisa, communicateur, il y a Union Sacrée. Les vidéos, ça roule. Ça s'est fait sur Kabila. Bah, ça délaissé. Sauf à Koli, c'est leur famille qui va suivre. Qui est aujourd'hui est en fuite? Qui? Vous avez entendu un mot du parti? Vous avez entendu les mots, le soutien de leur parti politique? Rien du tout. Merci. On pouvait les convoquer pour les sanctionner même au parti. Batiki bango, bazo qui peut bangoter. Merci beaucoup, Malamboka. Malamboka Joël, to kota na sije ya moko na lelo élection na bureau définitif et assemblée bureau définitif ya Sénat bisika api baike pe basusu bazali ko kota na mosala mwambutu mbutu autour ya bakombo ya block of Swahilifone eza ko soutenir ndeko Samalukonde et UDP soit zo soutenir ndeko Idriss Mangala selon vous entre bakombo entre poids politique et singe to se situer. Merci beaucoup maman Naomi pour la poutouna, mais yambo yako yanola na mutuna na où je pense que je dois aussi avoir un point de vue dans ma matali force du progrès et na ndenge basambi sibango maman Naomi oyebi que na mboka oyo tromi komituna est-ce que IDP ça soit qui temps yako former ba militants na yi
pour gérer la République. Lelo, IDPS au pouvoir, même IDPS au pouvoir, on est en opposition. IDPS au pouvoir, les membres de l'IDPS ne sont pas sémétérés dans le cannabis. Force du progrès, c'est une structure qui est reconnue dans l'IDPS. Parce que on va reconnaître que c'est le fait de Tchèn Tshisekedi qui a créé la force du progrès. Alors, quand la force du progrès est dans l'IDPS, il faut que les Kabou soient assassinés, mais qu'ils soient considérer la milice. Il y a une milice, il y a force du progrès. Pour que nous la justice, dans le cannabis, ceux qui ont lié ma place, qui ont lié ma place, qui ont lié ma place, qui ont population congolaise. C'est-à-dire que Moutoua Salimbeba, on n'est pas tenu dans la police, force du progrès, il y a la police, il y a OPJ à la police. Non, au nom de quoi? C'est la question que je me pose. Est-ce que force du progrès est ça reconnu dans l'institution Yamboka? Est-ce que ça fait partie de l'institution Yamboka? Soit est ça structure Moko ou est ça créé pour accompagner parti politique IDPS pour conquérir le pouvoir? C'était juste pour conquérir le pouvoir. Mais tant on va conquérir le pouvoir, et pour nous, pour moi, je pense que Bazui encadrement, il y a pour conserver le pouvoir. Wana. Pour conserver le pouvoir, il faut non seulement. Il faut qu'on ait un cadre. Malheureusement, il y a force du progrès. Nous soutenons les chefs de l'État. Nous soutenons les chefs de l'État. Mais ceux qui ont accompagné les chefs de l'État, ils ont jeté au pauvre dans ma le chef de l'État, ils ont toujours soutenu le chef de l'État. Vous pensez qu'il faut de faire définitivement? Pour nous, il faut de faire. Parce que déjà, article 90, il y a la Constitution. Ils ont fait qu'ils ne sont pas formés, il y a un ministre. Parce que déjà, ils ont une machette, peut-être un décombin, ils ont une force du progrès. Moi, je connais des communicateurs, ils ont une force du progrès. Je connais la population, ils ont jugé, ils ont une force du progrès. Ils ont se faire passer le roi de justice, ils ont une force du progrès. Et décombin, ça connaît la TV, Koloba Kenon, force du progrès, boye, boye. Oui. Nous reconnaissons que Maman Olive a salaki récupération politique, Bakenda qui connaît Maman Olive T. Mais est-ce que force du progrès, Moussala Nabango, il y a aucun déguerpir Batnanda? Est-ce que force du progrès, comme Moussala, Moussala, il y a justice congolaise? Non, Bissotozon du Maïlo Kouanate, et nous demandons à la justice de faire son travail. Ce qui va libérer Bango, soit bat de fer. Structure ou la force du progrès, de sorte que Batouba comme Mako n'est pas communicateur, il y a opposition, bande de Gonabiso. On est toujours à la TV, toujours à la opinion différente. Maintenant, nous avons une opinion. Ce n'est pas parce qu'on attaque Tshisekedi que une force du progrès, c'est la haine, c'est la haine. Nous avons une opposition, nous avons une insécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a une force du progrès, nous avons tellement l'attaque, nous avons une opposition. Nous, on refuse ça et pas de faire la force du progrès. Par rapport à la question de la Sénat, je pense que Maman Naomi, l'Assemblée nationale, va imposer qui vit son primaire. Primaire, on attend, va imposer qui vit son. C'était aussi une façon démocratique, il y a qu'on soit candidat commun pour ne pas créer de fistrés autour du chef de l'État. Mais comment ça fait-il jusqu'à présent? Réunion à Tamaroté, il y a directoire, il y a Union Sacrée Salimi pour désigner un candidat. Mais l'IDPS l'a fait hier. L'IDPS l'a fait, je n'en disconviens pas, mais il faut pas qu'il y ait tout autour d'une table. Dans le directoire, il y a une autre, parce que je sais qu'il y a un autre, il y a un autre directoire, il y a autour d'une table, il y a un candidat commun au niveau du bureau définitif, il y a Sénat, pour ne pas créer de fistrés. Il y a une ambition, et le monsieur Oabimi na IDPS, il y a une ambition. Tout le monde, parce que la politique, tous nous sommes des ambitieux, nous avons des ambitions politiques. Et pour ne pas créer de fistrés, il y a un autre, il y a une table, tout voter, tout un candidat commun pour créer la frustration. Mais ceux qui IDPS abîment ces candidats, ne peuvent pas m'avoir réclamé la Katanga. Qu'en est-il du peuple congolais? Peuple congolais au avotaki atingi bango ki kolobelaye. Bango place na bango esarabi. Nous pensons que il faut se rappeler pour peuple atingi ki bango. Jusqu'à présent, Maman Naomi, mboka ezo tambolaté. Marumunyo seza ya kotelema. Gouvernement esala ki combien de mois pour ebima? Gouvernement provincial de Sali, combien de mois pour Ebima? Alors que peuple, oh, il ne fait que. 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 Il ne fait que.
Qu'est-ce que le peuple bénéficie na ba contradiction nyonso eza na kati ya union sacrée oyo aluka a brigué poste ya présidence ya sénat oyo aluka premier vice président finalement le peuple bénéficie de quoi? Très pour nous nous pensons que ba kende na primaire ba meka kobimisa candidat commun si il faut kobimisa ba candidat commun na tout ba poste nyonso et kozala bien pour ne pas créer le frustré autour du chef de l'État. Très bien, merci beaucoup. Il y a de ceux qui pensent qu'ils ne se retrouvent pas. Est-ce qu'il faut parler le lot na géopolitique ils allaient respecter te na union sacrée ben de kobé ba se retrouver te le Katanga par exemple ba sali bloc derrière l'ancien premier ministre Ndeko Osama Lukonde oyo senoye azali choix chef de l'État ba laka qui est poste on a dit de peste qui s'est dit non et ça entre poids politique na expertise topé combo ya bato tout joigné l'indéco on benza parce que depuis un moment mais ça ne s'est pas que ouais là non vous a toujours que ouais là d'aïe au l'autre mon sous bon sur l'île de peste je vais rencontrer ces deux messieurs qui me semble sont de l'opposition face à l'île de peste mon frère et à Pona écolo. Bah, la terre ne soit pas ostentatoire quant à ce qui concerne l'IDPS. S'il vous plaît, minimum de respect. J'aurais voulu te traiter différemment avec le kabiliste qui est venu récemment, qui me colle au kabilisme, mais je vais vous traiter de mon corps. Remettre en question la qualité des élites dans l'IDPS parce qu'il y a la force du progrès, ça c'est une insulte. Il faut éviter terrain là. Ça n'a moins humilité. Parce qu'il y a des cadres de haute facture dans la catégorie de PES. Des gens qui ont fait de bonnes études, des gens qui ont bien étudié. J'ai bien expliqué le contexte. Et j'ai dit bravo à la justice et bravo à la police parce qu'ils ont arrêté des gens qui se réclament du parti présidentiel Bazosambi Sabangou. C'est la première dans l'histoire de ce pays. Vous avez vu ça où? Ou critiquer, après tu retournes pour dire la justice doit faire son travail, mais la justice est en train de faire son travail. Vous croyez que s'il y avait des influences, on pouvait étouffer ces dossiers? Pourquoi on a laissé? Pourquoi on a laissé? Parce que nous sommes le parti au pouvoir. Quand il s'agit de l'IDPS, il faut avoir de la retenue dans le langage. Maintenant, je me retourne contre ces messieurs, le kabiliste. Olive Lembe a confirmé que nos bagages n'ont pas une intention qui est violée. C'est grave. La politique, la sociologie politique, on nous exige, nous politiques, qui passons pour communiquer, retenu dans le langage. Il faut doser diluer. Mais yo, on a retenu dans le langage, tu crois que c'est l'endroit qu'il faut faire l'exhibition? Il y a un mot sous ce qui ne convient pas, libido à la télé, tout ça. J'ai menti. Non, apaisez-vous. Et tu as renchéri que nous devions nous comporter tous comme Joseph Kabila. Oui. Ok. Regarde la télé, Bazo Landabiso de partout dans le monde et dites aux Congolais où est Arma Tongolo. Parce que Yoko t'appelle. Tu ne maîtrises pas la personne de Joseph Kabila, ni de son arouage naï. Tu peux dire aux Congolais où se trouve Fidel Bazana. Le corps de Chebeya, tu veux bien placer ça. Il y a Fidel Bazana, Isab. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances Marius Gangal a été tué? Franck Ngike. Tu peux dire aux Congolais ça? Les Congolais doivent être comme Joseph. Toi, tu maîtrises la personne de M. Joseph Kabila. Pendant la guerre des six jours, où nous avons célébré Génocoste, pourquoi pendant 18 ans, Joseph Kabila n'avait même pas institué un seul jour pour te commémorer avec la mémoire collective nos victimes de ces guerres de six jours où il y avait largage de 6000 bombes, il y a des milliers de gens qui sont morts et des gens qui ont vu leur corps amputé. On doit se comporter comme Joseph Kabila dans ce pays. Ça vient de toi. Ça dit se comporter en silence par la carrure, le niveau de la compréhension. Je t'ai discipliné. Allez-y. Monsieur. Allez-y. Monsieur, je t'ai laissé. Je connais ta méthode. Allez-y. Tu ne connais pas ma méthode. Je connais ta méthode. Allez-y. Tu ne connais pas ma méthode. Allez-y, allez-y. Monsieur le kabiliste. Allez-y. Monsieur le kabiliste. Je suis fier. Laissez-moi vous apprendre des choses sur M. Kabila que vous ne connaissez pas. Attendez. Moi, j'étais très posé. Allez-y. Je reconnais que pendant ce régime, il y a des tares. Mais comparé à vous,
devait vous taire. Monsieur le kabiliste, Monsieur Kabila et Maman Olive sont partis du pouvoir. Ils ont laissé la RDC sans palais présidentiel et le président actuel a hérité une maison de deux chambres, un salon et une cuisine. Et vous en êtes fiers? Comportez-vous comme Monsieur Kabila? La construit. Mais messieurs, apaisez-vous. Mon tous les alliés, est-ce que vous corrigez 6 ans après? J'en arrive. Vous avez corrigé la gouvernance de Joseph Kabila? Nous avons corrigé beaucoup de choses, bien qu'il y a des tares. Je vais expliquer. Toquez dans la Sénat et puis je vais revenir pour ne pas vous manquer de respect. Le Sénat les a constitués. Moi, j'étais de ceux-là depuis Kalanando, Sengakoutouba, le Moulin. Parce que c'est budgétivore et puis ça bouffe de l'argent et puis bah, on a la seconde lecture. L'Assemblée nationale fait déjà le travail, mais quand cela ne tient comme c'est dans la Constitution. Mais il faut louer l'esprit qu'il y a parce qu'il n'y a pas un mot d'ordre donné comme c'était à Kingakati où les professeurs d'université bando ngulma tout ngulma pour la Kabila. Et qu'avec l'arme sur la table, personne ne pouvait dire un mot. Il faut se comporter comme Kabila dans ces pays. Mais à l'Union sacrée, tout le monde, parce que l'Union sacrée telle qu'il est conçu, va partir dans l'autonomie, à la gestion et à fonctionnement. Alors, chaque parti est une ambition. Il y a M. Idriss Hassan Mangala, qui est le choix du parti. Ancien gouverneur Yamaniema. Oh, Atikini Nukuna. Non, toujours le bela choix. Quel est le dossier Moussoussou? Vous comprenez? Mais il faut parler de son passé. Non, j'en arrive. On a choisi. Est-ce un choix idéal? Non, c'est le choix idéal pour le parti parce que. Pour de peste. Selon certaines personnes. Azate. Non, et comme ils sont selon Moutoumoussou. N'a pas raison, ce bateau bombardé, mais nous rejetons Tshisekedi. On a menti à l'opinion. Que non, comme il y a un président, Atien de Kounaïre, sénateur, président, sénat. C'est dans les réseaux sociaux. Mais le lieu a changé. Oh, et comme il y a un rabassoir, le moins balouba. C'était pour confondre les mauvaises langues. Que l'IDPS n'est pas un parti tribal. Il y a plein de balouba là-bas qu'on pouvait mettre au Sénat. Mais nous, notre choix est tombé sur M. Idriss Hassan Mangala, qui est de l'Est du pays. Et puis, le reste vont concourir. Celui qui va gagner, nous pesons 40 sénateurs. Celui qui va gagner, on n'a pas le temps pour les primaires. S'il y en aura, mais moi je crois que tant qu'il n'est pas dans l'élection, celui qui va gagner, va gagner. Celui qui va perdre du moins, ça sera... Mais M. Samalo Kondé, là, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous êtes en train de faire des vidéos. Pour, je ne sais pas, pour faire quoi, madame. M. Danny Banza, est-ce que tu as oublié que c'est sous ces régimes que M. Sam a été fait directeur général de la GKMIN et premier ministre dans ce pays? Après les élections, Moïse nous a battus dans l'espace Grand Katanga. M. Samalo Kondé, premier ministre, et puis membre président de l'Union sacrée. Qu'est-ce que M. Samalo Kondé, en termes de poids politique, représente aujourd'hui dans ces pays? Rien du tout. Je dis rien du tout. Mais au contraire, des gens qui pèsent dans l'Union sacrée, on le connaît par rapport aux chiffres, par rapport au nombre de députés, par exemple l'AFDC de Bahati Lukwebo, qui ont une dizaine de sénateurs, 40 députés nationaux. Bravo à M. Bahati, ça c'est un travail d'un leader qui a bien travaillé pour le président de la République. Et il est candidat au deuxième vice-président du Sénat. C'est ce que nous soutenons. Par rapport, il y a compétence, mais expérience. M. Bahati Lukwebo vaut dans cette place-là. Samalo Kondé. Samalo Kondé, il ne représente rien par rapport à poids politique. Par rapport au poids politique, il ne représente rien. Parce que les élections, parce que Bitoumazani, le rapport de force est, hein? Ce que le rapport de force n'a balance dans l'Union sacrée, M. Samalo Kondé, mais pèse quoi? On a échoué au Grand Katanga. Pour le reste de poste, toujours tala n'engeso kendele. Mais pour moi, je veux que le samedi, que les Sénats s'installent pour que les institutions continuent. Mais je répondais à votre question, je reviens sur le cabiliste. Chuté, rapidement. Mon frère, non, Yoruba Kendele. En 30 secondes, rapidement. Monsieur le kabiliste. Battez-vous pour autre chose dans la politique, arrêtez de nous attaquer, parce que vous n'avez aucune leçon à nous donner. Quand je prendrai la parole, pour la prochaine fois, je vais te citer toutes les entreprises qui appartiennent à la famille Kabila. Ici, c'est séance de Nantes. Tu aurais dû laisser cette bonne dame, parce qu'avant que cet incident n'arrive, qui ne lui concernait pas, à autant mettre ta balle et n'atterrer mon quoi 48 heures avant. Pourquoi on ne l'a pas agressé là-bas? On l'agresserait seulement dans sa parcelle, qui est protégée par des militaires et des policiers. Madame Olobi Talanenga Zalakimé, si on t'a dit bien, madame, elle était.
D'abord, utiliser pas gros mots, parce que toi, tu nous provoques. Je la respecte, elle doit nous respecter, mais elle a menti à l'opinion. Ce n'est pas bien pour une première dame. Maman Bobby Tong a bima pour la première fois, 25 ans après, il a appelé tous les fils du pays à l'unisson. Mais cette bonne dame fait des déclarations intempestives, mais je vais te rappeler. Merci beaucoup. Tu connais Kabaré, le territoire de Kabaré. Madame Olive a déguerpi plus de 100 familles là-bas et il y a eu des gens qui ont été abattus par la garde républicaine. Est-ce que tu connais ça? Vous avez des preuves? Oui, j'ai des preuves. Va porter plainte. Je dis à Kabaré. Malobana, Zalika, Alikona, Moko. Merci beaucoup, Malamboka. Question sur le signe. C'est vrai que Baito Bazaliko Wela Nande Kojompinga Lula. Vous voyez qui est à la tête du Sénat? Ndeko Sambalou Konde, Ndeko Idriss Mangala, Topé, Bandeko Moussousso a déposé Bongo ba candidature. Il faut noter que Ndeko Bahati Lukwebo a déposé la candidature dans le cours la deuxième vice-président ya Sénat. Merci Nayo Maman. Moto ebimbenza te a kokanisa ke moto malonga moto yo akoloba solo un peu malonga na politique na lobité malonga c'est un monsieur honnête na makamonioso mais surtout comme na politique akuma malonga te depuis un certain moment et moi je l'ai vu lorsqu'il était en train de s'inscrire dans cette école où à côté lelo tant besoin qu'inscription nga na monaki pe na pexa ki école. Inscription à l'Ukutate, où il y a bandit l'élo. Bah, allégation sans de preuves. De nga zopé ça. Yambou nga bandana nan de konaye psaye. Maman Olive a salaki récupération politique. Sinon, vous allez me dire que lorsque bato oyo, union nani du progrès, vous allez au kankotia na ba kacho, bango pe bazo sa la récupération politique. Vous allez me dire lorsque Basali barré des bus, Batobako parqué, Bafouta à force du progrès Mbongo, c'est encore une récupération politique. Lorsque le ministre Peter Kazadi a yaki construire le général Kilimbalimba, que Kendeko Panzaelo Kwan existait, c'est encore une récupération politique. Vous n'allez pas me dire lorsque Franck Diongo a été frappé, tabassé, suivi jusqu'à celui à la maison, saccagé la maison, amené, imposé à l'IA en exil. C'était encore ça, une récupération politique. Vous n'allez pas me dire, lorsque ces enfants-là ont mené du désordre dans l'IDPS pour faire partir Kabuya à tous les niveaux, injuriant tout, sauf rien, de sa mère jusqu'à ce Bako Konaye, vous n'allez pas me dire que Kabuya fait la récupération politique. Pourquoi voulez-vous que nous continuions avec les désordres? Ils disent que sous Kabila, vous avez une mais écoutez, rouge. Madame, tout n'est que ils ont juste hérité. Quelle est la gestion? Appelez-nous avec lui dans un débat. Combat cage. Le bilan de Kabila, le bilan de Tshisekedi. Au Bakenena, 18 ans. Maman, on ne peut pas comparer, il n'y a pas match. Kabila, tika qui carburante, 13 litres, 45 000 francs congolais. Il n'a pas laissé ça. Kabila, tika qui bambo, tu l'as vu sur ma village, il n'y a pas de Kabila a laissé les dollars comme ça. Obosani que sous Kabila ba goma ekoyaka Mbalaboni ozo koya Mbalaboni mama ya motuya ezali mama sala ki récupération politique té mbenza tika lokutana esuki na lobito se comporter le kola Kabila c'est par rapport à la leadership la carrière le charisme ya moto tango zo mo c'est une autorité Kabila ne répond pas à des coups faciles comme ça. Mais à l'IDPS, tout, on répond. C'est là que j'ai dit. Et même si on peut copier la gestion, je suis fier de soutenir que tout y en ait un débat contradictoire sur les analyses. Et je crois que Mbenza va fuir. Maman, IDPS a teke l'IFCC pouvoir. Bah, teke la nenge ya kobatama. Na peso belema. IDPS a teke l'IFCC pouvoir. Pe IDPS a zongi si FCC na pouvoir. Clair, noir sur blanc. Ce n'est plus encore à discuter. Les gens qui vont retourner Kabila au pouvoir sont aujourd'hui dans le pouvoir de Tshisekedi. Oui, je l'ai dit et je le confirme. IDP, ça tekeli FCC pouvoir. Et qu'il ne soit pas étonné que Batoya FCC, Kabila. Qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale? Mais c'est un kabiliste. Ancien. C'est l'FCC qui t'a dit ancien. Il est ancien depuis quand? C'est un kabiliste. Qui est aujourd'hui ministre de la Justice? C'est un kabiliste.
qui est aujourd'hui directeur du cabinet des chefs de l'État, c'est un kabiliste. Qui est premier ministre, kabiliste. Qui sera président de du Sénat, kabiliste. Moi, quand j'ai dit que tu souhaitais, maman. Je souhaitais, on doit maintenant faire de l'intérim. Qui va jouer l'intérim? C'est un kabiliste au pouvoir. Il dépêche. Il y a tout. Ou pouvoir, il y a un sacané là. Moi, je me demande, madame. Il dépêche comme un sacané là. Pouvoir, à mon pouvoir, le rôle à l'Ioto. Il joue avec ça. On joue partout, mais pas avec le Sénat. L'IDP se prend le Sénat et il remet ça entre les mains du FCC. Merci beaucoup. Vous parlez de qui? Zamba Pambolabino. Mais tant que Bakotia, moto Bakotia, FCC, manga la moto ancienne, avec une FCC. Et c'est le Kambo Batamate. Ce qui bâti, FCC. Bakotia n'a ni kuna ndeori FCC. Le ko elenge wa lobina yoke. Et bango ba forma kité ba yeku saki ko bamba mabanga na ko tumba mituka ko sala ba grève ko sala ba désordre, c'est tout ce que IDP sa salaki. Mais ça nous fait nous mal, ça nous fait nous mal. Pourquoi? Parce que ozo mona ke tozo ko mana difficulté moko na mboka na biso poids politique lelo eye ko leka intérêt à peuple. Ce n'est plus question que Benza peut mériter là. Non, c'est que ce maintenant des forces politiques. Que Dianfou, comme moi, c'est mon salaire, l'État m'a la moté. Abomi Mboka. Mais parce que c'est les mains en apport politique. Tiaye wana. Mais les peuples vont gagner quoi? Qu'est-ce que ce monsieur ici, ancien gouverneur, a fait ici Kazalaki? De conquérir? Bon, copé, ça y est, Sénat. Du reste, ce n'est pas budgétivore. Une chose inutile. Dans un pays sérieux, tu as bomi yango. Assurer une manière man à niveau ni. As-tu qu'il a des ordres, t'es maman? Je n'ai pas le temps d'analyser. Il a quel bilan maniement? Na lo baka yango balana mbala, tu sais que dia ko beti sa mboka oyo dame ya ki père gagne. Ce sont les gens qui ne font absolument rien qui sont nommés. Sama Lukonde. Parce qu'il faut parler de lui. Mais sama azali scandale monene pour l'école on a biso. Samba partout à Tamboli, scandale na scandale, bilan zéro. Maintenant, conclure le coup, la chef de chef du gouvernement, c'est sous son règne, sous lui comme premier ministre, que Moïse est égal à ça la matin à Mukili dans un gouvernement et ça l'a mis sous Sama Lukonde. Est-ce que quelqu'un comme ça, honnêtement, maman n'a pas pu s'accoler là, est-ce que c'est quelqu'un comme ça qu'on peut donner encore ça pour faire quoi? Ça, c'est chier sur le peuple congolais. Ça, vraiment, on a chier sur le peuple congolais. Qu'est-ce que nous allons dire? Biso Togo Bisabato Nini. Namosala Nini. Même entraîneur, ceux qui jouent à footé, na match moko, match Rolanda Batia Kayete. Tu sais qu'il dit non à Kotiaye. Sama, le Konde, a salé Biso Mosala, ma ben moko yoko sakana nangote. Covid-19, a géré ma ben. Tu veux que Nicolas Kazadi, dans le régime, naïe. Bâti les gens, le projet Nyon soit chef de l'État, naïe, na kati. Moïbi, Colonna Moïbi, il ne savait rien contrôler. Bon, on a Sénat ou contrôlé Nini. Tapage. Ce qu'il faut dire, ici que, Bissot Okumoni était, Batona Union sacrée, Bazé Lokola, Baluto Malewa. Luto Malewa qui parle mon nom, Kokota, té, maman. Ata motolibo meko somba pondo madesu bakamati le même luto yo ngana latelaki kazaka bapesi luto koti nango luto malewe kipaka nzungu te tala niveau oyo bahati azalaki président ya Sénat akita deuxième vice président vraiment ata bino mboso la fait. Mais est-ce que mboso c'est un modèle, maman? Est-ce que tu entends ba to sérieux bi misi mboso? Mais je t'ai dit sérieux. C'est un patriarche. Patriarche à Nini. Patriarche à Nini. Il a fait son temps. Tu as été à Kenge chez nous. Madame, qu'est-ce qu'on appelle patriarche? Qu'est-ce qu'on a Kenge Panaï? Va dire la bambosse. Au coup de l'opin, on m'a dit que je suis en train de station à Kenge. Au pouce de moi, mon quel bosso. L'opin, on m'a dit clôture, il y a moi, bien, il y a langue, il y a pembe. Nakat, vide. Zam, madame. Madame, vous savez,
Nangonga moko boitant toko lobela l'État congolais tous ala na bolingo. Personne n'a l'intérêt. Moi je perds. Nazo banga mingi. Chef de l'État za malade. Du bon droit, du bonne politique, dit-on. Il fallait qu'il dépasse et récupérer poste wana. Mais pour tous ala ngo awa. Pour nani ne basali si élection primaire T. Et puis pour nani ne basali c'est qu'en assemblée na nationale. Pourquoi on n'en a pas fait? Parce que ça, apparemment, on est en train de les récompenser. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas question de poids politique. On est en train de récompenser Sama. Pour avoir fait quoi? Mais là, il faut demander au président ce qu'il dit. Il faut lui poser la question. Mais je peur que Bamso Rosa la yébinaïté. Pour y aller, Baramakamou Mingité. Yé Benze Samakamou. Surtout, et ça, le Maratan, on a voyage. Eh, on a tikana. Je n'étais pas au pays, je n'étais pas au pays, je ne connais pas, je ne sais pas. Yende Ngoana. Merci. A Kolobanini, a Yemaki na été. Est-ce qu'a Yemi ke Yaza président de la République? Ah, ouais, moi malade, Yaza Nanzot. Ozali Moto. On répète, malade, Yemi, 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 son a lobby que au coco diabète évolué na kosé lo maka. Mais faut quoi vous le battre? Et ni wane ke na rapé bomi mokongo komi au lali ou au tambour à l'issue. Soit comme na bakawana, que chef de l'État soit capable de assumer ma fonction na été et que commander bas au président et à Sénat, aya ko occuper poste wana. Qu'on soit sama lukonde, aya ko occuper poste wana, FCC zongi na pouvoir. Merci beaucoup. Il va préparer le retour de nous au pouvoir. Merci. Et ils doivent être souples. Très bien. Merci. Matin domingue mon amboga tout cité Kinshasa ezo bonga programme du gouverneur Daniel Bumba a présenté qui en gros week-end dernier bisika pazala qui investit na gouvernement naye près de 11 milliards de dollars pour 5 ans balakiko mobilisé à Kosimba bongo 11 axes prioritaires entre autres sécurité amélioration ba voirie pe ba mobilité aménagement ya voirie mobilité, l'aménagement de la ville de, et la construction des bâtiments publics urbains, érection d'une nouvelle ville et transformation numérique de la ville province de Kinshasa. Molamboka, vous croyez à Daniel Bumba? Est-ce possible que Kinshasa et Bunga, Kinshasa d'hier et Kinshasa d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Maman Naomi. Et ça, je suis là, je dois quand même rencontrer mon amboka Joseph Mbenzaï en même temps mon amboka Ngalou la compagnie Nangaï. Vous savez, Ndeko Joseph n'a mettre en cause élite na IDPS. Mais résultat au IDPS, c'est au Pesabiso. Prenons le cas Ndeko Bumba. Bah, élire est gouverneur de la ville province de Kinshasa. Il a fait appel à qui pour être la directeur à cabinet? Na kati ya cabinet ya Bumba. D'ailleurs, ndeko ngalula uti olobango normalement yonde. Il faut que ose kota na cabinet wana o conseil ya kandeko Bumba par rapport ya intelligence o dégager na ba plateau. Moi je vous suis beaucoup. Na landa kayo makasi tie la seule personne o défendra IDPS avec intelligence. Je ne mets pas en cause intelligence ya ba communicateur mususu, mais yo na landa kayo et autrefois, je vous ai suivi, bazo attaqué on a plateau, et IDPS, bazo discriminé yo, peut-être parce que, entre parenthèses, tu n'es pas dit Kassai. Je l'ai suivi. Mais, pourquoi qu'on continue à défendre Bakambu, tant que, yo, ozo défendre, ozo gagner l'autre côté, même la population, bazo landao, bazo gagner l'autre côté. Alors que la meilleure façon de défendre, soit de soutenir les autorités du pays, c'est de leur dire la vérité. On l'a dit, on a été en Oïké, mais on l'a dit vérité. Place les hommes aussi battés. Place les hommes aussi battés. C'est ça la meilleure façon de combattre ça. Et ça, c'est depuis Obanda Koku Misabango. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme récompense? Parce que tout le monde a battu, il y a une récompense dans l'IDPS. Attaque,
na cheville na ba zo ba ko maté par rapport il y a intelligence, mais vous continuez il y a que défendre le même personne, mais c'est honteux si je dois le dire ainsi, c'est honteux. En tout cas na conseiller de commune, s'il faut démissionner na IDPS OK na parti mon corps oyo et que reconnaître yo la juste titre, c'est ça la meilleure façon de pour agir pour IDPS et pour le côté pouvoir et tchikatochikal na 2 ans. Ils ont 4 ans. Oh. Non, on doit le dire. Mais quand il y a 2 ans, on est à gestion. Et à partir de 2026, et comme ma positionnement politique, vous croyez que Bakozoa, en fait, ils vont gérer le pays pendant 2026. Positionnement politique à côté, en même temps, gérer Mboka. Non, on ne va pas se pencher. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un dauphin? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que soit primatire? Et comme ma positionnement politique. Et Neko Benza, il est temps. Et tant et ça n'a nous, il y a que l'on a bateau, aucun des places où on va reconnaître l'intelligence où on a la nango. Ndeko Ngalula, maman Olive a sali récupération politique. Parce que, jeune, il y a force du progrès, je ne le défends pas, mais babandé qu'aucun n'est pas maman Olive. Et maman Olive aussi doit savoir que Joseph Kabila, c'est une personnalité politique qui est mort à Nabiso. Et le principe, il y a officialité. À quoi banda kolika na TVT, abe na kaye mobali na ye. Oh. Oui, aza mobali na ye to boite. Mais à quoi koba. Joseph Kabila, aza kaka ya maman Olivier mon côté. Joseph Kabila a dirigé ce pays, il nous a dirigé, il est sénateur à vie. Il faut à respecter ye. D'ailleurs, Joseph Kabila tant qu'on l'a dit communication, il y a maman Olivona Asili qui m'a cassé à regretter. Parce que dès qu'on mène dans le monde, il faut que tout l'on a exemple, il y a Joseph Kabila. Comment nous, tout l'on a exemple, il y a Joseph Kabila, alors que moi, si n'a yé, il faut Alanda, on soit incarné Joseph Kabila. Incarné. Vous voyez une femme en danger, ne pas paniquer, ne pas communiquer. Non, madame, pourquoi elle doit paniquer alors qu'il y a la quitté? De combien de lobby en autant à Kenda qui combat à Bali, Faki va qui attaquer, qu'on n'a pas ni baguette attaquer car la GLM. Non, il y a par moment, il faut se taire pour ne pas incendier le public. Parce que, et là, à Saliwana, à Yokisi, FCC Sony, à Yokisi, Pepper de Sony, quand on a comme on a de Kongalouana, mais il y a l'union sans la Nango, à Zoya qu'on défendre pouvoir à Zoya défendre de position, à Zoya qu'on défendre pour accrocher en calate, pour son assigné photo il y a 2019 à défendre Kabila les athées. D'où, moi je pense que maman Olive a salaki récupération politique, il doit savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Chité. Par rapport à la ville, province, à Kinshasa, vous savez, maman Naomi, je regrette beaucoup. Je dois dire que moi je n'expère rien à Ndeko Bumba. Parce que Ndeko Bumba, déjà, tant oisui pouvoir et la ville, province, à Kinshasa, c'est le quoi il faut salir à violer la constitution. A violé la constitution et que le baké faut dans le gouvernement, il y a 10 personnes, il y a au-delà de 10 personnes. Non seulement ça, Ndeko Bumba a eu ville province à Kinshasa. Et le Kwali Bosso, c'est-à-dire il n'a jamais été préparé pour diriger ville province à Kinshasa. Pour ceux qui ont préparé, je pense qu'il y a une équipe, Mobimba Mbalamoko. De sorte que Moutoutel, Joseph Mbenza, directeur à cabinet, Mouya, conseiller en charge. Mais bango nyoso wana Bumba moni bangote a welisi ake koluka moto FCC, un ancien kabiliste pour ba travailler. Mais ce qui ancien kabiliste wana, il a travaillé avec la Kabylie ba réussir te ville. Si aujourd'hui ba définition sur toi on a ville province à Kinshasa exemple qui mouta zaka na mboka oyo azaka na ni azaka gouverneur mboka oyo exemple na ni oyo uti ko kende azala ki il a laissé beaucoup de défis et Ndeko Bumba c'est que lui pense faire et ça aucun de kozoa directeur à cabinet, il y a un ancien gouverneur qui a réussi ça pour attirer directeur à cabinet. C'est tellement honteux, nous croyons que Eloko Malonga est au salimaté. En tout cas, peuple a espoir. Nous demandons même, il ne faut pas initier une motion de peur que le pire arrive. Parce que nous, les autres, nous avons dit que 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 nous avons et arrivé à bah, initier déjà motion mon qu'on assemblée provinciale de sorte que bah, motion de déchéance de Kobumba pour éviter les pires. C'est ce que moi je propose pour paix sa bisou. Maintenant, on a besoin de bonne foi. Non, maman Naomi, vous savez,
Tant qu'on a tala ndeko Mbenza en face, quand même j'ai les soupçons de la compétence qu'a tatinaï. Mais ceux qui ont tali Bumba, ndeko Bumba, vous ne pouvez pas parler deux minutes avec Bumba sans qu'il ne somnole. Est-ce que une telle personne, Moutou, oh, faut pas faire ça, il va défier à ma casse, il va Azoko, là, 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 pamba, pamba. Parlons de l'autorité de la ville, un peu d'élégance, un peu d'élégance. Maman Naomi, je pense que, quand la Bumba Boye, je ne vois pas, je ne soupçonne pas la compétence. Merci. Mais au moins, Ndeko Mbenza en face, je soupçonne la compétence. Merci beaucoup. Moi, Namboka, Ndeko Mbenza, vous attaquez, Nathan Mouadolo, sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe? Bumba, encore de l'île de peste. Est-ce que Aza espoir, est-ce que c'est l'homme de la situation? Le 11 milliards, est-ce que Aza vendeur d'illusions, dire que Kinshasa est au bon gars? Il faut croire à ses paroles, à son programme. J'ai toujours aimé cette théorie du professeur Kambai Boacha qui décrit aujourd'hui le niveau et la mauvaisité du cœur de Congolais. C'est ce que je vis ici, des prophètes de malheur. La négation, il y a des fois, ils ont un esprit à ma baie. Oh, Yurubo, Nyonso. Kabino, vous allez bon. Non. Il dépêche à l'opposition, on se rappelle. Nous n'étions pas dans. Tout était noir. Non, nous étions dans le combat où ils allaient qui soutenus par des valeurs. Nous n'étions pas dans de n'importe quoi. Mais un jour, il faut parler de ces combats-là. Bon. C'était quoi l'objectif? Puisque là, on ne voit pas grand-chose. Je ne sais pas si ma téléspectateur, peut-être il peut y avoir un sponsor, je le mets au défi. Débat contradictoire, Yenanga sur la gestion des 18 ans de Kabila et 6 ans de Félix. L'étude comparative, s'il vous plaît. Non, j'étais complète. Moi, quand je le parlais, combat, quand je parlais, moi, je parle. Madame, s'il est d'accord, je suis la semaine prochaine, Congolais n'y de partout, Bobenga Maman Naomi, tu parles de la gestion de Kabila, moi, je parle de la gestion de Félix. Merci beaucoup. Intéressant. En tout cas, je vais te clouer ces jours-là. Merci. Sur tous les domaines. Tous ceux qui ont été prétentieux avec tous ces termes, ils en ont eu pour leur compte. Je te connais bien. Avec beaucoup de calme, je t'ai mis, comme tu m'as mis au défi, j'ai accepté le défi. Merci beaucoup. Donc, mais je vais te dire quelque chose. Monsieur Constant Moutambasso Ozolandangaï, il faut que tu déguerpisses Madame Olive Naparcelouane. Comment? On l'appelle abusement, je l'aime. Je l'aime, Eza groupe Lito Mouboti. C'est dans la proximité. Eza Ndako Oyo qui est occupé par des anciens premiers ministres. Mais comment est-ce qu'il y a Bango? Parce que c'est un patrimoine public, privé de l'État. Voilà. Tu veux débattre avec moi, je te donne déjà des indicateurs pour la semaine prochaine. Mais dis-moi, par quel moyen Madame Olive a constitué qui capital pour nous créer égal? L'argent est venu de la Banque centrale. Normalement, ce qui fait Félix Azaï Mouté Maman B, Joseph Kabila est en prison et Madame Olive. Je te donne déjà les couleurs pour la semaine prochaine. Prépare-toi sérieux. C'est une maison qui appartient à l'État. S'il vous plaît, madame. C'est une maison qui appartient à l'État congolais. Peut-être y habiter en Zulu ni Bembe. Habiter là-bas. Est-ce qu'on dit Madame Olive à Koumioana? Daniel Bumba, j'ai porté son programme dans tous les médias parce que j'en connais. Il y en avait 7, mais aujourd'hui, il a étendu à 11. 11 pays. Neko, nous avons des moussalatés. Vous attendez, t'es maman là. Vous qui n'avez pas d'église, t'es. Mais où est-ce que et comme il m'a ramassé. Il a articulé son programme sur entre 10 et 11 milliards de dollars. Cette année, comme c'est une année finissante, c'est l'ordre de 500 millions et quelques. L'année prochaine, on monte à 800 millions. L'année qui suit, à 1 milliard 200 millions. Et l'autre année, avant la dernière année, c'est à 2 milliards 0.7. Ça s'appelait de bonnes intentions, ton réalité. La dernière année, c'est 5 milliards. Nous avons des instruments. Il y a la régie d'assiette. Tout ça, on a DGRK. Il ne faut pas oublier qu'on a négocié le contrat Sécomin et que le gouverneur Daniel Bumba avait négocié avec le gouvernement central va ponctionner une partie parce que Kinshasa, c'est la ville-province. Il ne faut pas oublier que c'est sous Daniel Bumba qu'a été lancée la construction de Rokat. Allez le long à Kin Ouest. Allez voir ce qui se passe avec l'agence congolaise de grands travaux. Ici, je salue le directeur général Nikonza Onzao. Allez voir ce qui se passe. 200 km de Rokat. De Kin Ouest à Kin Est. Ça ne s'est jamais fait. Problème, Yannini, comment recouvrer cet argent? Mais ça simple par la digitalisation. Et on est autant à la dématérialisation, on a numérisation. Parce que le lot, toujours, le système, il y a ma beaucoup banque, c'est là où il y a coulage des recettes.
Mais c'est ça son cheval de bataille. C'est l'assainissement de la ville province de Kinshasa. Il y a un moment sous Ngobila, bien qu'ils aient qui à Rolala, avec l'entreprise Aibac, je crois. Ils ont déjà mis en œuvre. D'ici là, la ville de Kinshasa sera assainie. Je suis d'accord par rapport à Yavoiri, mais allez voir, OVD déjà s'active sur l'avenir vers Père-Victoire. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement Pané Langa-Kinzela, bien que le souhait d'Azoya, mais finalement... Nzela, on a ma banda qui a bâti, jusqu'à présent, nous allons au Salimaké. Mieux éviter ce qui se passe, moi je te donne l'information, l'OVD vient de prendre... Mais il y a de cela trois mois de Kondenza. Monsieur, soyez discipliné, non? Okay. Moi, je connais M. Chris, il n'est jamais agité sur un plateau de télé. C'est-à-dire, il y a des vrais problèmes, les gens auraient souhaité que pendant l'angaba, ça la tirage à ma caniveau. Mais le tirage de caniveau peut se faire aussi pendant la pluie. Qui vous dit que pendant la pluie, on ne construit pas? Et puis, on va apprendre des bâtiments sur que pendant, maman, elle vient au Tongandela, vous êtes pendant la pluie. Parce que vous savez mesurer la mauvaise qualité ou bien la bonne qualité de route. Donc, moi, je demande au Kinoa d'accorder à M. Daniel Bumba et à M. Edi Yeli 6 mois dans leur gestion. Bénéfice du doute. Et puis, je salue un ami à moi, qui est ministre provincial et à Santé, mon ami praticien, son excellence, vous avez tout notre soutien, parce qu'il a une tâche difficile, parce que les hôpitaux généraux de référence de Kinshasa doivent redorer leur blason. Voilà, le travail est ardu, mais ce n'est pas impossible. Donc, le programme de M. Daniel Bumba est réalisable. Maintenant, quant à ce qui concerne les attaques personnelles sur ma personne, je ne vous réponds pas. Parce que je sais que vous voulez... Vous êtes utilisé par lui de non, je ne suis pas utilisé parce que je mène ma vie personnelle. Ici, on n'expose pas nos vies privées, non, quand même. Mais je ne suis pas chômeur. Ce que je peux dire aux téléspectateurs... Ah, vous, au moins, vous n'avez pas comme profession combattant de l'UDPS. Non, je ne suis pas chômeur. Ce qui revient à dire, je suis un responsable et j'essaie de prendre soin de ma famille. Merci beaucoup. Mais, quant à ce qui concerne les éventuelles nominations, bon... Chaque chose a son temps. Avec ou sans l'UDPS, j'existerai en politique. Il faut comprendre. Parce que la tête n'appartient pas à l'UDPS. Parce que le plus grand héritage qu'on peut avoir, c'est la tête. Parce que tout ce qu'on a, on peut perdre. Mais quand on a déjà ce qu'il y a dans la tête, on peut l'amener partout et on gagne sa vie. Merci. Donc voilà, apaisez-vous Jean-Pierre Galula. Merci beaucoup, Matin Dominique de Jean-Pierre Galula, émission comme vraiment on a souka. Kinshasa Zobonga, faut-il croire? Maman, au Pesaranga, il passe par Imboka, si Bamoni et Loko Mbala Nambala. Au Tiganga, on a souka, tant que Batier 0-0, on a 6. Té. Tigan, on a bénéficié, monite, n'est pas n'y a pas de joie. Ok, ok. Maman, naibisio. Mbenza na monoko na ye na makambo etali gestion mboka oyo. A part kombwa Tshisekedi nde kobi ma vrai. Le reste lukuta likolo na lukuta. Asa ye koli lukuta koleka kela satangi. Kolanda mongongo kokita te, kolanda nenga koloma Mbenza est en train de souffrir parce que ce régime est reconnaître Mosala na ye te. Conseil gratuit, yakato senga ekolo mosala, yakato lobela ekolo, tika kolobela bato, yakato lobela ekolo, ekolo komema biso na parlement, ekolo kopesa biso mosala. Tshisekedi, c'est fini déjà. Les sénateurs à vie, Tshisekedi, ainsi sili. Désormais, nga na benga kaye déjà sénateur à vie. Parce que la dernière année, c'est l'année électorale. Année oyelandi avant 2027, ezali déjà année oyo. Bobana ko beta na makofi ya kosakana na ngote. 2026, année des ambitions. C'est fini pour Tshisekedi. Les sénateurs agissent. Préparez-vous lorsque aussi, bako banda ko sala sabotage à l'olengo yo, na régime yo ko yana banda ko na bino. Et vous direz qu'on a fait des récupérations politiques. Mais moi, je vais rester cohérent toute ma vie. Non, moi, je vais rester cohérent toute ma vie. Si Tshisekedi quitte au pouvoir, aujourd'hui sénateur à vie avant Nanda Konaye, tu l'attaques, je t'attaque. C'est ça le principe. Parce que je suis dans la logique que Mosala ici a Kei, yo oyoye bongisa. C'est ça moi ma logique. Ce qui yo, Mosala a longwe, bakamati batie yo, yo komi to banakolobelo makambo, kosala mala moteo, et bon mbenza tango azalaki. Ça, ce sont des irresponsables qu'on ne peut pas engager dans la res publica. Toi, tu remplaces un journaliste ici par exemple sur ce plateau. On a comme ça la émission malamonté. Non, ça c'est l'irresponsabilité. Kabila n'était pas imparfait.
Mais j'admets qu'il y avait quelques dérapages, quelques hérésies. Mais tu sais qu'il était un candidat du changement. Quel changement? À part Mouyibi, le Coran Mouyibi, n'a pas de tant que nous avons libido, nous avons été conseiller de la chef de l'État principal. Nous avons été conseiller de la chef de l'État principal. Cause la bumba ou bumba ko bongisa mboko yo eza cause la pasteur mukuna akende ko sala campagne na kamba ya simogi mbamba o cause la tili wana yo cause la na biso cause la kaka bumba abongisa ta ata veni moko ya eko makitoko makasi ezali lokola ko kende cause la train na aéroport bumba eshuwa kala. Donc avant de nommer nga ton talaki bumba parce que ngai na sali pédagogie na sali na tangi psychologie na ken université na tangi psychologie générale na tangi psychologie génétique na tangi moto tangu ko tala bumba bo analyser bien a rien maman du côté ya réussite na makambo ya vie na limité. Parlons de son programme. Est-ce que bumba d'abord lui-même c'est scandale pour Namboka, bon programme dans le Belani. Nasuki Sawana, Nasuki Sukolobaete, de la même manière que Tshisekedi n'a rien fait, c'est de la même manière que Bumba n'aura à rien faire et Maman Soumino également. 11 milliards, 11 millions, à Kosawap. 11 milliards, à Kosawap. Bumba Zunga Kosabanani. Nando to na pongina nimba ka nimba ka pamba pamba to kozongo wapi mama akozongo wapi idisa kozongo wapi est ce que ça kangi tu ba miyipi est ce que bumba kozongo sera biso mbongo na biso laleli na ilton mais écoutez akozongo wapi akozongo wapi iye moko deje sa consommer katikati ya mbongo sengela ki komo sa bazela mais dit que azeki na ba birote il faut ko ba azeki na birote madame uzoka motema pa zozo pesa ngai. Ya solo wana tonoma ki bumba koma ki gouverneur Paul Kabiro ya luxure ya kovanda. Bumba tali banzela toko tambola biso kongomani ya Kinshasa tango toko tambola bumba tali banda kona biso bumba tali tango mbule beta kongomani ya Kinshasa kosuka wapi bumba tali yango bumba zo senga biro kitoko poisa na musala ça c'est de l'insulte qui sont en train de dober l'esprit des Congolais. C'est la fin de madame, je suis en train de te dire la conclusion c'est que dober c'est un verbe monsieur, peut-être vous avez mal étudié. Merci. D A U B E R, verbe du premier groupe. Dénigrer, prendre sans valeur. C'est ça. Il faut aller lire. Chique. Alors, vous êtes habitué aux bêtises ou quoi? Dober, c'est un verbe. Chique. Retenez ça. Je chute pour dire ceci. Madame, je l'aime. Et ça dit, Ndako Oyo, Kabila Asomba. Il y a des certificats, il y a des procès. Soka Lingi Yango, Nako Senga, Bako Pesanga, Tukoya n'a débat contradictoire. Très bien. Qu'il évite ça. Sinon, je vais lui dire que la maison que l'IDPS occupe aujourd'hui, ça a été aussi une maison de l'État congolais. Si on doit les récupérer, qu'on commence par récupérer ça. Je vais lui dire qu'une maison occupée par l'IDPS en mouvement depuis 40 ans, sans rien payer, cette famille est en train de pleurer aujourd'hui. Sinon, on doit commencer par arrêter Kabuya. Donc, évitez de venir faire des leçons de morale. Parce que vous n'en avez pas. Je vous dis ceci. Bumba ne fera absolument rien. C'est la fin de l'émission. À part Konimba, à tout moment, n'a pas bissika sérieux, au moment où Bumba soit Konimba. Mais avec ça, c'est risqué qu'à signer document sur Konimba. Si vous. Mboke Konimba, Konimba, Kinshasa Konimba, Konimba. Moi, je suis en train de vous dire, la conclusion est que Bumba ne fera rien de la même manière que Maman Soumino a déplacé comme premier ministre. À part Botena Golata Kitoko, Maman Azali Penda Bonzenga, n'exigez-moi Sangala Taralokolaye, mais à part ça, il n'y a rien. Très bien. Aussi, il n'y a rien. Merci beaucoup, monsieur Joseph Mbinsa. Merci, Ndeko Jean-Pingaloula, Mbinsa. Joël Nguindou, merci beaucoup. On se retrouve prochainement. On a invité Moussoussou. L'objectif, c'est d'apporter une pierre pour que Makambo ait évolué et l'espoir. Et permis tout linga Congo, tout bâti la Congo, peut tout ngambo kanabiso. On se retrouve. Nabo moko de togo tonga école. Lobby, na ngonga moko, mais toujours avec le même plaisir. Au revoir.